Salut, c'est Ruru et bienvenue à tous les geekos du monde. J'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, on va faire une vidéo très spéciale les gars parce que je sais pas si vous avez suivi Clash Royale, ils ont enfin fait une mise à jour où ils ont rework les cubes mystères. Du coup les gars, ils en ont offert 30. Mais par contre Clash Royale, vu que j'ai deux comptes les gars, on va se faire un pack opening de 60 cubes mystères. Bien sûr les gars, à l'heure où je tourne la vidéo, c'est 6h du matin parce que c'est fin de saison. J'essaye de rush et tout. En même temps, je règle la vidéo, j'ai fini live et tout. On est monté à 3600 Elo, top 90 monde, je crois, à peu près. Donc, fin de saison, ce qui est plutôt pas mal. Du coup, les gars, si vous entendez le bruit, là, j'ai commencé à ouvrir deux cubes. Et du coup, là, je voulais ouvrir les autres en vidéo. Vu que j'ai deux comptes, je me dis, voilà, ça vous fait une petite vidéo tranquille. Et puis, voilà, s'il vous plaît, les gars, n'hésitez pas, petit pouce bleu, à vous abonner. Et ça fait plaisir. Bon, du coup, les gars, j'ai ouvert deux cubes. C'est parti pour le pack open. On va voir ce que ça va donner. Chez Qualouf, il a fait une vidéo, il a ouvert, je crois, 200 cubes. Il y en a qui aiment pas trop, il y en a qui aiment bien tout, parce qu'apparemment, on n'a pas des récompenses incroyables. Moi, je sais que de mon côté, j'ai eu pas mal des bonnes récompenses. J'ai eu 8 moines dans un coffre. Vu que je suis full max, ça m'a fait plein de jokers d'élite. Et j'ai eu, je crois, 8 légendaires, ou 7, je sais plus. Genre, franchement, ça va, sur les coffres 4 étoiles, on a des bons trucs. Après, tout ce qui est 2, 3 étoiles, ça a pas l'air ouf. Du coup, c'est parti. Donc, on va ouvrir tous les cubes. On va voir combien de raretés on va avoir. Là, j'ai eu un épique à rare, je crois. Donc, ok, on a un nouveau épique 3 étoiles. On va voir ce qu'on va. Ok, ouais, 11 000 d'or. Bon, le gold a du full max, ça sert à rien. Hein. Quand on est full max, le gold, on s'en fout un peu. Après, ce qui va être intéressant, ça va être le compte secondaire. Là, regardez, il te donne 2 reines, donc 2 héros, pour un coffre 3 étoiles. Pour un cube 3 étoiles, ça te fait 8 000 jokers d'élite, ce qui est plutôt pas mal. Alors quoi? J'ai proc un truc là? C'est un 5 étoiles ça? Oh putain, ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? Ah ouais, ça c'est bon. Ça. En fait, les coffres 4 étoiles, les gars, on a vraiment des trucs de fou. 12 000 jokers d'élite, ok, putain, c'est énorme. Vous avez vu, en un coffre, ce qu'ils nous ont donné. Et vous voyez, j'ai encore tout ça, j'ai encore plein de trucs en main. Attendez, je vous remets la scène. Et on a encore plein de coffres, plein de cubes, pardon. Bon, pour moi, c'est des coffres. Mais non, c'est des cubes. Ok, on a 4 cubes à une étoile. Du coup, on a fait le premier palier. Ok, on a du 2 étoiles. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, du gold. En fait, vraiment, les cubes 2 étoiles et tout, c'est vraiment... On n'a pas des trucs de fond. Ok, 450 flèches. Donc ça, c'est bien quand t'es pas à full max. Après, ça fait toujours un peu de joker d'élite pour moi. Par contre, les pièces d'or, on s'en fout de ouf. Hein. Ils te donnent 2800 pièces d'or. Nous, on veut juste des cartes, là, frérot. Ok, toujours 2 étoiles. En fait, je crois qu'on a une chance que ça proc, c'est ça. Hein. Ok, du coup, on va ouvrir celui-là. Qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? Ok, du golem de glace. De toute façon, tout, ouais, une étoile, deux étoiles, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a des trucs de fond. Ouais, deux gardes, quoi. Oh! Ok, ok. Donne-moi beaucoup d'héros, là. 45 000 gold. Ok, tu files quand même 45K. Ça peut régaler sur un petit compte, en vrai. Quand t'es free-to-play, ça peut être cool. Ok, 4 étoiles, dommage. Je sais pas c'est quoi les pourcentages de sens pour avoir du 4 étoiles. Ok, du gobelin à lance. Toujours du 3 étoiles, donc là on a eu du gobelin. Ah ok, un petit héros. Pourquoi pas? En vrai ouais, un petit héros à 3 étoiles c'est quand même ok. Je trouve c'est ok en vrai les cubes, parce que dans tous les cas, même l'ancienne version, moi à un moment pendant je crois 3 semaines, j'avais que des coffres normaux. Et c'est tout. En fait, j'avais que des cubes normaux. J'avais pas des gros. J'avais peut-être 2 épiques. Donc c'était pas foufou, là je me dis ça fait peut-être plus de cubes, donc un peu à la Brawl Stars, donc pourquoi pas en vrai. Ok, 3 étoiles, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ok, ouais, du clonage. Ok, 3 étoiles, on peut peut-être avoir un bon truc ou pas? Ouais, non. J'ai vraiment l'impression que 3 étoiles c'est soit t'as un héros max et tout. Par contre, pour avoir les livres, je sais pas comment on fait, là on a les 0 livres. On a que 5, on a rien de fou en vrai. Si on cherche des livres ou des fragments d'Evo... Donc là, par exemple, c'est le dernier cube. Ok, on va voir ce qu'ils vont nous donner. En tout cas, sur le gros compte. Ok, 11 000 pièces d'or. Ok, toujours bah, une étoile là, les gars. On va avoir 3 trucs. Ok, 600 pièces d'or. Ok, 2 étoiles. Ok. Charrette à canon. On n'a rien de fou, hein. Là, si on va avoir quoi? 7 pompes. Ah, c'est vrai. Oh ! Ok. 5 étoiles, qu'est-ce qu'on peut avoir avec 5 étoiles, gros? Je sais même. Ok. Oh, c'est trop beau. Alors, par contre, ça, j'adore. Un 5. Ok. En fait, sur les 5 étoiles, je peux avoir des bouquins. Ah, oh, je kiffe trop. Ok. Ça,
Ça, c'est marrant. Ah ouais, putain, 5 étoiles, fallait le prendre avec un... Ok. Ok. On a eu un livre rare. Alors, je sais pas si je l'avais déjà. Je crois que je l'avais pas sur le gros compte, donc c'est cool. Ça m'a fait le livre gratos. Oh, pas mal. Pas mal. Je pense que ça doit être tellement rare, les 5 étoiles. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu des livres 5 étoiles. Enfin, des livres 5 étoiles, des cubes 5 étoiles. Ouais, les gars, c'est 6h du matin, là, je suis explosé. Mais ok, pas mal, pas mal. Bon, les gars, on va passer sur le deuxième compte. Et on va se faire pack opening. Là, par contre, ça va être plus fun parce que vu que j'ai quelques cartes max, mais pas beaucoup. Donc, on va se faire un gros kiff. Let's go, c'est parti. Ok, les gars, on est sur le petit compte. Vous avez vu, je suis à 3000 Elo. Là, j'ai deux comptes plutôt bien placés, donc c'est cool. Et on va directement s'ouvrir tous les cubes. Donc, on a 3 aléatoires, un garanti 3 étoiles. Alors, je sais pas si c'est une espèce de garantie, mais je pense. On a 2 de 2 étoiles. Allez, c'est parti. Allez, on a eu un 2 étoiles. Qu'est-ce qu'on va avoir? 2800 pièces d'or. Alors, moi, ça, du coup, je prends sur le petit compte. Hein. De toute façon, écoutez, ils nous donnent ça, les gars. On les prend. Bah, esprit de glace. Ouh, ok, 4 étoiles. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce qu'on peut avoir des bons? Ok, 180 jokers. Ok, pas mal. Si on prend un 4 étoiles, c'est plutôt ok. Ah, ils t'offrent des bannières, genre. Ok. Encore un 4 étoiles, putain, on a de la chance sur ce coup. Ok, qu'est-ce qu'on va avoir? 45 000 pièces d'or, ok. Oh, oh. 5 étoiles, gros, déjà? J'ai déjà un 5 étoiles? Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ok, livre commun. Je sais pas c'est quoi le pourcentage pour les livres. Mais du coup, ça veut dire qu'on se met plutôt bueno, hein. J'ai une bannière gratos. Donc tu peux avoir des bannières et des émotes, hein, de ce que j'ai vu. Et du coup, on a eu un livre. Alors, livre commun, moi, je le prends. Je le prends midi, matin et soir, les gars. Le livre sur le petit compte, ça fait plaisir. Alors, on va ouvrir ça. Ok, 3 étoiles, qu'est-ce qu'on a? On a eu ça, 3 étoiles encore. Ok, 170 joker normaux. 4 étoiles, s'il te plaît. Oh, yes. 4 étoiles. Allez, ce serait bien d'avoir plein d'héros, là. Ok, 500 jokers. Ok. En vrai, t'as vraiment. C'est vraiment bien en vrai ce qu'ils ont fait. Moi, je trouve que les cubes, je pense que je les trouve mieux qu'avant. S'ils en donnent beaucoup plus qu'avant, forcément, c'est cool. Dans des événements ou quoi, ce serait sympa, ouais. Ok, 4 étoiles. Putain, on a beaucoup plus de coffres que dans l'autre. Hein. On a de meilleurs coffres légendaires, je trouve. Ok, donc là, on en a 3 normaux. 1 à 3 étoiles et 2 2 à 2 étoiles. Ok, là, on n'a pas eu de chance. 7 cochons royaux, qui est toujours un étoile, dommage. 600 pièces d'or, donc ça, forcément, on s'en fout. Allez, 5 étoiles. Ok, dommage. Dommage. Allez, qu'est-ce qu'il va donner pour 4 étoiles? T'as encore de l'or, hein. Franchement, les pièces d'or, c'est vraiment le truc easy que t'as, quoi. Hein. Voilà, combien de temps en rec? Ok, en rec, ça fait une minute. Ok, 2... Ah, dommage. 3 étoiles. Aïe, 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 aïe. Allez, 4 étoiles, 4 étoiles, 4 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, peut-être. Non, j'ai trop demandé, là. 45 000 pièces d'or encore? Ah ouais, non, ok. Vous saurez, 4 étoiles, c'est 45 000 pièces. Hein. Et il nous en manque encore 2. Allez, let's go. Let's go, les amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez eu. En vrai, ça m'intéresse pas mal. Qu'est-ce que vous avez eu dans les... Ok, dommage. Vous avez quoi dans les cubes? Dites-moi dans les commentaires. Ok, 180 jokers. Oh, 5 étoiles. Oh là là, on est tellement chanceux sur ce compte. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 5 étoiles? Fragment d'Evo. Oh, non, je l'ai déjà. Oh, je suis deg. Je sais pas ce qu'il me donne, du coup, à la place. Ou alors, est-ce que t'en as deux? Peut-être que t'en as deux. On verra ça juste après. Ok, on a plein de 2 étoiles. Alors, on a plus de chance sur ce petit compte que sur l'autre. Hein. Oh, oh, oh. Ah, dommage. J'aurais bien kiffé le petit 4 étoiles. Là, ça donne envie. Hein. C'est cool si plus tard, on pourra se faire des packs opening avec les cubes. Ce serait cool. Genre, si on pouvait les collectionner et se faire des méga packs, des sessions pack opening. Ce serait cool, genre à travers des événements, on peut collectionner les cubes, et à la fin, tu les ouvres quand tu veux, quoi. Ça, ce serait bien d'avoir ça. Ok, 2 étoiles. Tac, tac, tac. Ok. Allez, 4 étoiles. Ok, pas de 5 étoiles. Qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? Ok, du joker. Donc, en fait, ouais, vraiment, les 4 étoiles, c'est là où tu peux avoir le masse joker. Et on a vu qu'on pouvait avoir des héros. Donc, on peut en avoir qu'un, apparemment. Donc plutôt ok. Ah, je l'ai trouvé. Oh, 5 étoiles là. Allez, allez. Oh, même pas. Putain, j'ai pas eu de chance. Ok, qu'est-ce qu'on a? 500 jokers normal. Normaux. Et ok. Ok. C'était pas mal en vrai. On a fait une petite session pas gobelin. Donc vous avez vu quand même. 60 cubes. On a eu quelques trucs.
Ah voilà, ça s'ajoute. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, on a du coup deux livres communs. Alors ça par contre, ça met super bien pour le petit compte. Mais vous pouvez voir que pour avoir des fragments ou pour avoir des évos complètes, ça va être compliqué. Après, pour les free-to-play, voilà, vous faites vos cubes tous les jours. Il y a forcément à un moment donné, vous aurez des fragments et des cubes. Mais ok, franchement, plutôt sympa. Moi, je préfère ces cubes-là qu'avant. Je trouve qu'on pourra peut-être faire des sessions, des grosses sessions pack opening. Ce serait cool qu'on puisse faire ça. Genre, par exemple, là-dedans, tu vois, tu peux garder des cubes et les ouvrir quand tu veux. Tu vois, ce serait cool de faire des trucs comme ça. Et à la fin, tu fais des grosses vidéos. Enfin, surtout pour les créateurs de contenu. On peut faire des maxi vidéos. On ouvre, je sais pas, 500 cubes d'un coup. On peut faire des bons petits trucs. Ce serait bien qu'ils fassent ça. Moi, je trouve bien le système. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez eu dans les coffres. Enfin, dans les cubes, est-ce que vous avez eu des évos complètes pour combien, pour un cube quoi, 4 étoiles ou 5 étoiles? Je suis très curieux de savoir. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. Moi, je pense que je vais continuer un peu de rush dans mon coin. Et plein de bisous. C'était Ruru. À la prochaine. J'espère que vous avez kiffé. Ciao, ciao!